420. The game is here. Alors moi je me présente, je m'appelle Kevin, je suis de Créteil, voilà, 94, Val-de-Marne, je joue également à Créteil et c'est la première fois que je viens à Champs-sur-Marne pour le PB 420, c'est un plaisir, je découvre le terrain, je vois des têtes que j'avais pas vues depuis très longtemps, donc ça fait plaisir de venir partager ce tournoi aujourd'hui. Comment t'as connu le PB 420 là ? Via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Par rapport à Pagis, tous les événements, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fois, tous les week-ends, ils se donnaient rendez-vous pour jouer. Donc je me suis dit, fallait que j'y fasse un tour. J'ai pas pu avant le tournoi et j'ai vu l'occasion du tournoi, donc je me suis dit, faut la saisir direct et hop. Comment t'expliques qu'une page Facebook qui n'est pas encore très grosse et qu'un événement monté en 15 jours regroupe autant de bons joueurs semi-professionnels? Ah, c'est le monde du basket, ça. C'est du bouche à oreille, tout le monde se parle. Dès qu'il y a un petit tournoi, on se transmet l'information. Là, c'est vraiment une grande famille le basket et c'est ça qu'on aime en fait. On aime bien se retrouver pour ce genre d'événement. Surtout que là, c'est mi-août, donc les saisons vont bientôt reprendre. C'est peut-être l'une des dernières fois où on peut tous se revoir, donc ça fait vraiment plaisir. T'espères quoi pour ton équipe là aujourd'hui? Aujourd'hui pour mon équipe, j'espère, je sais pas parce qu'en fait on a perdu deux matchs. On a gagné un, on a gagné le dernier avec une très belle action de notre ailier fort. Mais non, on a passé une bonne journée, c'est tout ce qui compte. Voilà, on a bien joué, c'était cool.